Bonsoir à tout le monde, bonsoir Vanessa, bonsoir Yvonne, bonsoir Marie-Laure. Alex, bonsoir. Florence, bonsoir. C'est fou quand j'ai obtenu le message que j'allais partager avec vous. Deux minutes avant ça, je viens de voir, j'ai appris une nouvelle qui me. Je pense que ce sera le bon moment pour parler de ce que je vais parler. J'allais parler du focus. Bonjour la reine Christelle. Je viens de perdre un être qui m'est un peu cher. Donc, et là, je suis 2 minutes avant de lancer ce direct. J'ai annoncé sur le groupe que j'allais faire le direct. Et juste avant que je me connecte, j'ai ça. Et quand je suis en train d'y penser, je me dis dans la vie, on a le choix. Et ce choix, on l'a chaque jour. Donc quand je compte, depuis hier qu'on a commencé le jeûne, les distractions que vous-même vous avez, parce que ça c'est la fin d'année, n'oubliez pas. Et vous aurez les distractions. Vous aurez ce que la société attend de vous. Parce que quand c'est les fêtes, on s'attend à ce que tu sois dans l'esprit festif. On s'attend à ce que tu achètes des habits pour les festivités, que tu prépares pour les festivités. Voyez un peu tout ce qui vient autour. Ok. Merci, hein, merci. C'est pas trop, je prends vraiment pas les choses dans ce sens-là, mais bon. La douleur de perdre quelqu'un, quelque chose, c'est. Je pense que. Quand le temps de quelque chose est fini dans ta vie, ça part. Et quand le temps d'une personne est fini dans ta vie, la personne se part aussi. Donc. Je me suis rendu compte au fil de ces dernières années que j'ai dû me battre contre la société. Merci la reine Candy. J'ai dû me battre contre la société pour ne pas aller avec le flow. Parce que dans chaque... bientôt sera la Saint-Valentin. Tout le monde sera là. Oh, mon amoureux, je n'ai pas d'amoureux. Gna, gna, gna. Après, il y aura toujours un truc qui va venir. Et le plus pire, en fait, ce sont les personnes qui te montre comment tu es censé penser. Ou qui te montre ce que tu es censé désirer. Et quand je dis que c'est le focus qui va t'aider en 2023, ce n'est pas que tu ne peux pas avoir l'argent. Hein. Ce n'est pas que tu ne peux pas avoir l'argent, ce n'est pas que tu ne peux pas réussir, ce n'est pas que tu ne peux pas
écris le livre que tu veux écrire depuis. Mais toutes ces choses viennent prendre l'énergie que tu es censé utiliser. Voyons peut-être une femme qui se retrouve dans une relation amoureuse. Une femme m'écrit hier, pendant qu'on est en train de commencer le jeûne, elle me dit qu'elle a fait le jeûne de 3 jours sec. La nuit à 2 heures, elle me dit, j'ai une confession à te faire. Je couche avec mon voisin depuis quelques jours. Merci, merci. Ne criez plus les condoléances. Moi, là, tu me lagues à 10h. À 10h30, je suis en train de faire mon direct. Donc, vraiment, ne vous dérangez pas. Ça va. Elle me dit, elle couche avec son voisin depuis et elle sait que c'est une distraction. Elle dit, vraiment, moi, je veux avoir l'homme, mais vraiment, je ne suis pas désespérée à ce point-là. Je veux me marier, mais je ne suis pas désespérée à ce point-là. Et c'est ainsi que je me rends compte que Dieu a donné des parts égales à tout le monde. Donc, je ne sais pas comment je peux vous dire ça. Dieu n'a pas donné l'argent à certaines personnes ou l'intelligence à certaines personnes. Et à toi, il ne t'a rien donné. Mais dans la façon dont tu as éduqué, on ne t'a pas appris à concentrer ton énergie. Ce que je suis en train de vous dire, ça va beaucoup vous aider. Ça fait peut-être 3-4 jours, j'ai fait une vidéo où je parlais d'égoïsme. Je disais, je suis contente d'être égoïste. L'égoïsme ou le narcissisme, ce sont des qualités qui sont considérées de nos jours comme mauvaises. Parce que quelqu'un qui est narcissique, c'est quelqu'un que tu t'assois avec lui, il pense comment à lui. Il va acheter ses propres habits. Il veut que tu... Donc, tout c'est seulement à lui. Donne-moi, fais pour moi, moi. Et on a caricaturé ces personnes dans la société. On les a fait paraître pour des gens que Dieu va punir. Dieu ne punira pas quelqu'un parce qu'il a refusé de te donner l'argent, parce qu'il va acheter sa chaussure. Dieu ne va pas punir la personne. Et Dieu ne va pas non plus te faire avancer, genre, oh, comme telle personne lui a refusé l'argent, demain je vais donner le double argent. Non. Maintenant, il est temps que vous arrangez dans votre tête. Vous avez été dans des relations, non? Vous avez donné. J'étais avec un monsieur l'autre jour. Il me disait combien il a donné à sa belle famille. Donné. Donné à ses amis. Quand il était encore marié. Les périodes de fête comme ça, alors il organisait des barbecues. Les gens venaient. Et il dit que quand il est tombé, il a chuté, son mariage s'est brisé. Les mêmes personnes qui venaient manger chez lui, ce sont les mêmes personnes qui se moquaient de lui. J'ai dit, tu t'attendais à quoi? Bonsoir, Kofi. Quand il est tombé, il a chuté, il a perdu son focus. Il s'est retrouvé en train de dormir sur le canapé, le lit gonflable, dans le salon de son ami. Et il paye le loyer. Il est en Europe. Il dit que le jour où il est vraiment tombé bas, c'est quand il était avec ses deux enfants chez son ami, au salon en train de dormir sur le lit gonflable. Dans la nuit, le matelas s'est percé. Ça s'est percé. Donc il se retrouve à même le sol avec ses deux enfants en bain. Alors qu'avant, c'est lui qui avait les grosses voitures, les Range Rover. Il dit que c'est là qu'il a compris que c'est bon. Si je ne fais pas, je ne me concentre pas sur ma vie. Si je ne me concentre pas sur ma vie, c'est moi seul qui vais souffrir. Merci, ma saga.
C'est moi seul. Vous comprenez? 2023, s'il y a des gens qui vont monter, j'ai parlé ce matin, j'ai prophétisé. Vous allez recevoir, vous allez monter, vous allez. C'était chaud, non? Vous étiez content, non? N'est-ce pas? D'accord. Vous ne savez pas les choix qui vont suivre la bénédiction ou qui vont précéder la bénédiction. Je vous ai dit, j'ai annoncé depuis 3-4 jours. J'ai annoncé depuis 3-4 jours que je vais faire une conférence le 31. Et je vous ai dit que j'ai choisi spécifiquement le 31 décembre parce que je sais que ce sera le jour où la majorité des gens seront dans les fêtes. La majorité. Pendant que certains seront dans les croisières, d'autres seront dans les événements. Ouais, 2023. Yeah, j'ai choisi le jour là parce que je sais pourquoi. Tant que tu n'arrives pas à un moment où tu dis, je vais aller dépenser 300 euros le 31. Mon salaire, c'est 1800 euros. Parce qu'il va aller faire plaisir aux gens aussi. J'entre même dans 2023. Je vais faire quoi dans 2023? Je pars où? Je veux quoi? Quels sont mes projets? Il suffit que quelqu'un t'écrive un peu. Oh, tu fais quoi le 31? Ouais, viens avec moi pour une fête, non? Donc, en fait, tu n'avais rien à faire. Tu ne partais nulle part. Non, Francette, ne te dérange pas. Hein. J'ai dit que en 2023, mes événements seront exclusifs. Je ne veux plus n'importe qui. Même les groupes que je vais créer. J'ai compris que quand Jésus a dit que many are chosen, no, many are called, but few are chosen, plusieurs sont appelés, très peu sont choisis. En fait, ce n'est pas Dieu qui choisit les gens. Vous me suivez? Ce n'est pas Dieu qui choisit les gens. Il t'appelle. Il y a Élie dans la Bible, non? Élie. Anne a fait le pacte avec Dieu que donne-moi l'enfant. Elle était stérile depuis. Péninia se moquait d'elle. Elle pleure à Dieu que si tu me donnes l'enfant, je vais venir te redonner cet enfant. Quelque temps après, elle tombe enceinte. Elle prend l'enfant selon sa promesse. 5 ans plus tard, elle vient déposer l'enfant au temple. L'enfant grandit. Dieu aurait pu se dire, il est déjà appelé, pourquoi est-ce que je dois encore l'appeler? Il est de toutes les façons, il est là. Une nuit, il reste. Il entend, on l'appelle. Samuel. Il se lève. Élie, est-ce que vous m'avez appelé? Non, moi je ne t'ai pas appelé, mon fils. Va se coucher. Samuel, vous m'avez appelé? Non, je ne t'ai pas appelé, mon fils. Ok. Il part. Il se couche. La troisième fois, il me dit que tu sais quoi? Je crois que c'est Dieu qui est en train de t'appeler. Quand il va t'appeler encore, il y a une marche à suivre. Écoutez, je ne suis pas impressionné par le talent de quelqu'un. J'ai déjà rencontré des hommes et des femmes de Dieu qui sont loin. Qui a l'onction sur la personne. Mais la personne ne connaît pas répondre à l'appel. Parce que, parfois quand on voit ce que je fais, on pense que, oh, mais c'est facile. J'ai même plus d'onction que toi. Je vous dis toujours, je ne suis pas la plus grande, la plus loin de je ne sais même pas, de doigts là. Il y a des gens plus loin que moi et vous venez même souvent qu'ils vous consultent. Mais vous ne savez pas choisir. Jamais. Mon gars me fait gna gna gna. T'as pas, ce qui te préoccupe, c'est ton gars. Ta belle famille. Oh, non. Les faux problèmes dans ta tête.
Quand tu vas écouter comme ça, tu vas dire oui, je comprends. Souvent, vous me contactez, vous commencez à me donner les conseils. J'ai dit oui, merci, bye. Il y a un passage d'Ecclésiaste, je sais que c'est carrément hors contexte. La Bible dit à ce niveau-là, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Beaucoup d'entre vous, à une époque, l'onction, l'appel qu'il y avait sur votre vie. Mais vous voilà. Parfois, vous retournez dans les mêmes choses d'avant. Tu fais 5 ans, tu retournes à la case départ. Tu tournes 1 an, tu reviens au départ. Tu tournes 1 an, tu reviens au départ. Certains d'entre vous, quand vous dirigez une prière, l'onction qui va tomber sur les gens au jour-là. Mais votre problème, c'est le focus. Vous n'êtes pas concentré. Je dis toujours à mes employés, même les personnes que je forme, ce n'est pas la multitude de choses que tu connais, pas les grands diplômes, mais le peu que tu connais, est-ce que tu es fidèle dans ça? Et c'est ça qui construit le caractère. J'ai plein d'employés. Si mes employés écoutent ceci un jour, il y a l'un d'entre eux qui a fini son école au bac. Le jeune homme là, il n'a pas beaucoup de. Il a fini au bac. Depuis 3 mois qu'il a commencé le travail, je l'observe beaucoup. Il est censé commencer à 7h30. Le gars là vient à 6h20 ou 6h25 au travail. Donc 6h30 maximum, tu vas le voir. Et il sait qu'on ne le paye pas pour de 6h30 à 7h30. Il sait que ça ne rentre pas, on ne le paye pas. Il vit, commence à faire les tâches des autres personnes. Tu vas alors voir les autres qui arrivent à 7h30. Ils se traînent d'abord, ils commencent à même à 7h45. Ils tournent. Quand ils les regardent, je leur dis que vraiment, vous pensez que votre vie va finir dans mon entreprise? Vous n'êtes que de passage. Vous n'êtes que de passage. Maintenant, quand vous arrivez, vous avez l'opportunité de façonner votre caractère. Soit tu le façonnes, tu prends ce que tu peux prendre dans cette entreprise, tu avances. Soit tu viens, tu fais juste le minimum, le bare minimum. Après, dès qu'il est 17h00, pip, je rentre, bye. Il n'y a pas de problème. On peut facilement vous influencer. Il suffit que tu te concentres quelque part pendant un mois, ça ne donne pas ce que tu voulais. Après, tu dis, ah. Tu commences à venir à 7h30 comme tout le monde. C'est comme ça que vous êtes. Vous ne connaissez pas vous accrocher sur quelque chose jusqu'à ça tombe. Vous ne connaissez pas vous accrocher sur quelque chose. Like, on dit, you don't know how to juice somebody or something. Juice it until it gives what you want. Milk it. Je connais beaucoup d'entre vous que il y a des choses que vous ne pouvez pas vous rabaisser à vendre. Non, moi je ne peux pas vendre ça. Je ne peux pas vendre ça. Ah, tu sais, moi j'attends le fonds de commerce. J'attends le capital de 2 millions. J'attends le capital de 2 millions. Maintenant, c'est temps, tu as quelqu'un à côté de toi. Tous les samedis et dimanches, elle fait le tarot et le bouillon, elle vend. Elle se fait 300 000 par semaine. Toi, tu dis, non, moi, je veux travailler au bureau. Même si toi, tu travailles du bureau, on va te payer 150 000 au mois. Et parfois, quand tu vas voir la personne vendre 300 000 au mois, la semaine, tu vas penser qu'elle a commencé à 300 000. Tu ne sais pas que la personne, quand elle a commencé, peut-être qu'elle avait seulement 2 chaises. Ou elle préparait porter sa tête et venait déposer. Le focus.
Le focus, single vision. Vous êtes en ligne, par exemple, vous suivez même 50 pasteurs. C'est pour ça que vous dites souvent que je ne cherche pas les followers. Allez là où vous allez faire, on va applaudir vous. Yeah! Allez, ne vous dérangez pas, pâté. La Bible dit, when your eye is single, your body is full of light. When your eye is single, your body is full of light. Quand ton œil est concentré et unique, quand tu as un œil, ton corps est plein de lumière. Moi, quand je vois ça dans le spirituel, quand tu es concentré, c'est comme le laser, toute ton énergie peut partir sur ce que tu es en train de faire. Moi-même, à 3 heures, je me réveille à 3 heures, je pense, je suis en train de penser à mes choses qu'il doit faire. Un homme, c'est quand tu occupes mon cœur, je me réveille la nuit, je pense à toi, je me tourne. Hey, pourquoi tu m'as fait ça? Oh, je l'aime, moi, me. Hey, oh, oh. Vous voilà. Comment elle a pu me faire ça? C'était ma meilleure amie. Apprenez que rien ne peut vous détourner l'attention pour trop longtemps. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit toujours « Don't look to the left, don't look to the right. » Je vais vous lire ça. Deutéronome 28. Parce que quand vous donne la parole, vous prenez la parole, vous dites que la parole ne marche pas. Deutéronome 28, je vais prendre le verset 1 et le verset 14. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant, visualise, contemple, observe. Ça va prendre tout ton esprit. Ça va occuper toute ta tête. Donc tu l'as resté comme ça, on te dit que mamie, tu penses à quoi? Je pense à mon business. Ouais, viens, on peut un peu, on va manger au restaurant. Non. Je dois bosser sur mon business ce soir. I must focus. I must be at my father's business. Vous suivez 50 enseignements. C'est ça qui vous déroute. Tu écoutes telle personne. Demain, tu écoutes telle personne. Pendant un mois. Après, tu dis que oh, tu quittes sur la personne. Tu pars là-bas. Tu écoutes encore 3 semaines. Après, tu dis non. Tu reviens encore sur celui-ci. Après, je commence à les insulter que ça ne marche pas. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Le temps d'observation est très long. Les gens aiment la supériorité. Vous aimez la supériorité. Oh, je veux que mes choses donnent. Oui. Tu ne sais pas qu'il y a un temps d'observation. Il y a un temps de focus. La famille dit oui, il y a la réunion familiale. Il y a le deuil au village. Il y a les gens qui voyagent. Ils prennent 3 jours de leur semaine pour partir faire le deuil au village. La personne quitte vendredi. Samedi, le village. Dimanche, il est dans le bus pour rentrer. Tu vois, dimanche dans la nuit, l'entrée s'apprêtait parce qu'il va travailler le lendemain. C'était le deuil de qui? Ah, la tante de mon ami, de mon camarade de classe, on était en 6e ensemble. Sa tante est morte. Donc tu n'as rien à faire dans ta vie. Et non, c'est la cotisation, non?
Je pars sur pour eux, ils vont aussi venir sur pour moi. Voilà ta part. Il dit, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et là, il dit, voici toutes les bénédictions qui vont venir. Il commence à citer, tu seras béni, tes enfants seront bénis, ton business sera béni. Ok. À la fin maintenant, il dit encore, il finit de donner toutes les bénédictions, il revient encore, il dit. Verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Quand vous prenez les bénédictions de Dieu, vous prenez ça hors contexte. Et je suis la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. En une journée, tu n'as pas fait cinq choses. En anglais, on dit que c'est comme un headless chicken. Comme un poulet sans tête. Quand tu coupes la tête du poulet, non. Il coupe avant de s'arrêter. Il tombe, il meurt. Te voilà. Dès qu'on te dit qu'il y a ça qui donne, tu prends toute ton énergie, tu ne peux pas déposer dedans. Tu attends deux mois. Ah, ça n'a même pas donné. Tu sors. Vous abandonnez très vite. On peut facilement vous détourner. Et il dit, et tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche. Écoutez bien. Tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et les servir. Écoutez, l'affaire de Dieu là, ce n'est pas que tu pars t'agenouiller devant quelqu'un, tu l'adores. Qu'est-ce qui prend ton temps? Qu'est-ce qui prend tes pensées? That is your God. Je vous assure, quand j'ai commencé, ma vie a changé quand j'ai appris à être focus. Ma vie a changé. Bien sûr, je me suis fait plein d'ennemis. Plein d'ennemis, avec plaisir. Moi, je dis toujours, ennemi avec plaisir. I don't care. I just don't care, man. And I don't care. You don't pay my bills. Tu payes mon loyer. Josué chapitre 1. Je me rappelle en France, en 2018, quand je faisais du Airbnb. Parce que mon ex m'avait quitté, il m'avait abandonné avec maison. Il est parti le 6 et on payait le loyer le 5. C'est lui qui payait le loyer souvent. Il est parti, il m'a laissé avec le loyer à payer, les factures. On tournait dans les 900 euros de factures par mois. Loyer, facture, ceci, taxe. En fait, on avait un appartement de 100 mètres carrés. À Reims, pas à Paris. Mais voilà. Il part. Il avait vidé, il avait pris le lit qui était dans la maison, les chaises en cuir qu'il avait acheté. Je reste comme ça, la vie d'une mince. Première chose que j'ai fait, je suis allé sur le bon coin. J'ai cherché. Il faut que je trouve le canapé pour le mettre dans le salon. Deuxième chose, j'ai décidé de faire du Airbnb. En trois jours, deux jours même, j'ai trouvé une chaise à 45 euros. J'ai appelé le bailleur, je l'ai supplié s'il peut payer en deux fois. Il a dit oui, donc. La CAF m'avait donné 800 et quelques euros. J'ai donné la moitié, donc 350 euros. J'ai payé ma dîme d'abord, 80 quelque chose d'euros. J'ai payé 350 euros bailleur. Donc il me restait moins de 350 euros. Oui. J'ai acheté un canapé-lit de 3 places. J'ai acheté un lit peut-être à 45 ou 50 euros. J'ai payé 10 euros pour qu'on porte. En tout cas, j'ai aménagé rapidement la maison à moins de 200 euros. Le reste de choses qu'il fallait mettre dans l'appartement. J'ai mis en ligne.
Et je me suis dit, ok, si je veux valoriser cet appartement, il faut que je cherche les personnes. J'avais deux copines, une de l'église et une coiffeuse que j'avais rencontrée comme ça au quartier. J'ai passé 3 nuits chez la coiffeuse. Quand j'avais les gens qui venaient louer, je partais dormir chez ma copine pendant que je louais mon appartement. C'était en 2018, fin 2018. Et dans la journée, quand les gens partaient, quittaient du Airbnb, je partais là-bas, c'est là-bas que je faisais mes croquettes, je fabriquais mes croquettes pour vendre. Donc, je partais là-bas avec généralement à 10h, c'est parti. Donc, de 10h peut-être à 15h, je nettoyais. Et les gens qui arrivaient venaient généralement avec 14h30, 15h. Donc, je nettoie et puis j'utilisais le réchaud là-bas pour faire frire mes croquettes et faire frire les beignets. Après, je nettoie tout rapidement, je change les draps, je lave les nouveaux draps, je sèche. Et puis, je pars, je repars chez ma copine dormir. Et il y a une nuit, donc, cette copine-là, quand elle me voyait, parce qu'elle était très spirituelle aussi, très spirituelle, et elle avait un don prophétique très accentué. Une maman de... Elle avait un fils. Donc, on avait dit ensemble qu'on va ouvrir l'église. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Ouais, tu sais, toi, tu vas faire, tu vas prêcher. Parce que moi, j'ai toujours aimé bavarder. Le bavardage, là, c'est tout dans moi depuis longtemps. Toi, tu vas prêcher, moi, je vais faire le prophétique. Et puis, voilà, moi, je ne connaissais pas les gens en Reims. Donc, elle disait, voilà, moi, je connais les gens en Reims. Voilà, ok. On se donne d'abord le premier rendez-vous. Le soir du rendez-vous, là, elle devait rentrer tôt, à 19h. J'avais dit qu'à 19h, je vais t'apprendre comment utiliser le téléphone pour faire les lives. Je rentre, je ne sais pas où je suis parti dans la journée travailler. Parce que moi, j'étais tout dehors pour chercher mon agent. Oui. Comme ça qu'il était. Moi, j'étais tout le focus. Je rentre à 18h30, comme ça, 18h45. Elle n'est pas là. J'attends. 19h30. Elle rentre, elle a le téléphone avec ses amis au pays, elle mange, elle s'assoit sur le canapé. Je regarde. 20h. Elle ne me demande pas que. On a dit qu'on devait. On a donné rendez-vous à 19h, que tu vas monter. Je dis ok. 21h arrive, c'était mon heure pour faire la prière. Je ne sais pas trop ce que je devais faire à 21h. Je la laisse au salon et pas dans la chambre. Je commence à bosser. Je commence à bosser. Je crois que j'éditais les vidéos. Hein. Je ne sais même plus ce que je faisais. Moi, j'ai toujours eu un truc que je suis en train de faire. Peu importe, que je sois employé ou pas. Je m'employais seul. Elle vient dans la chambre vers minuit. Elle me trouve sur l'ordinateur. Je suis couché sur l'ordinateur en train de travailler. Elle ne dit rien. Elle se couche et dort. Le lendemain, 6h, je suis debout. Je fais la prière. Je fais seulement une autre prière le matin. Je lance la prière, je prie. Après ça, je sors. Et j'avais loué un bureau, hein. J'avais carrément loué un bureau que je payais à 280 € le mois. Je me rappelle, je crois que c'était ça. Hein. Et j'avais décidé que le matin, je pars d'abord au bureau, je finis ce que j'ai fait au bureau vers 10-11 heures. Je pars à l'appartement, je finis. Après, pas distribuer mes beignets, mes croquettes que j'ai vendues, que j'ai fabriquées. Le lendemain, on se donne encore rendez-vous. Ok, tu vas venir au bureau. Parce qu'elle était, elle coiffait. Et elle voulait transitionner de la coiffure pour vraiment... Parce qu'elle avait un don prophétique. Quand la femme l'a prophétisé sur toi. Oh Seigneur. On se donne rendez-vous. On a au moins 3 fois, on se donne rendez-vous. Ok. Comme je sors le matin à 6h comme ça, je pars au bureau. Tu me trouves au bureau. On doit s'asseoir pour planifier exactement comment on va faire les choses. Les 3 fois, la femme ne vient pas. Ou bien elle vient, elle fait 1 heure de temps, elle s'assoit. Et quand elle vient, elle me trouve, je suis occupée. Je vous assure, ce que les gens voient quand ils arrivent chez moi au bureau aujourd'hui, ça c'est tout que j'ai commencé depuis 4-5 ans. Elle arrive. J'avais mon bureau, j'avais mon desk, j'avais ma table à moi. Je lui donne une autre table, je dis, assois-toi là-bas. Comme tu ne connais pas encore faire quelque chose, j'ai Internet ici que je paye gratuitement, que je paye, donc tu ne payes pas Internet. Assois-toi, connecte-toi au Wi-Fi. Tu regardes les vidéos de tuto, les tutoriels. Elle vient s'asseoir. Premier jour. Après 30 minutes, elle tourne son téléphone. Moi, je ne comprends rien. Hein. Je lui dis que ma chérie, concentre-toi.
Après, elle dit, moi, je vais rentrer. Je dis, il n'y a pas de problème. Elle rentre. Je la trouve à la maison vers 19h, 20h. Trois fois, elle est venue au bureau. Et j'avais appris à faire des photos. J'avais dit, voilà, on va faire une bannière. On va mettre ta photo. On va mettre ma photo. Tu as besoin des photos professionnelles. Je prends mon temps, je prends mon appareil photo, je la filme. Ok, habille-toi comme ça, fais comme ça. Après, je me rends compte que tous les rendez-vous que je donnais à la femme, elle allait me donner une excuse pour laquelle elle ne pouvait pas. Elle dit que non, l'affaire, c'est dans laquelle je suis en train de partir, ça ne va pas me laisser. L'ultime soir, c'était, je peux dire, le dernier soir où on a compris que l'affaire, ça ne peut pas marcher. On s'est encore donné rendez-vous vers 19h ou 20h, encore à la maison. Pour que je lui montre comment on va faire, je ne sais pas quoi. J'arrive à la maison. Je crois qu'elle était au téléphone avec quelqu'un au pays encore. Elle était toujours au téléphone avec les gens au pays. Anyway. J'attends. J'attends. Je lui dis que je dois aller travailler. Moi, tu me connais, j'ai mon planning. Et moi, avec moi, l'heure, c'est l'heure. Ha. Elle dit, non, une minute. Elle est au téléphone. Hé, c'était une Ivoirienne. Tu connais comment on fait? Non. Elle au téléphone. Ah, il a fait ça. Je suis là, elle écoute. Je regarde. J'attends. Quand mon heure arrive, pam, je suis parti dans la chambre. Je suis sur l'ordinateur. Je travaille. J'édite des vidéos. Je faisais des posts. La page Facebook, c'est moi seul qui gérais à l'époque. Après, elle vient dans la chambre vers minuit. Après avoir fini toutes ces conversations avec tous les gens du pays là, d'Abidjan. Quand elle vient me trouver dans la chambre, je ne dis même pas un mot. J'étais sur mon ordinateur et je bossais. Elle me regarde. Elle dit, ah! Mais tu es égoïste. Hein? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est concentré seulement sur sa chose comme ça. Non mais franchement, ça ne peut pas marcher. Je la regarde, je dis, ma chérie. Peut-être tu crois que tu m'insultes. Mais pour moi, ça c'est la première fois de ma vie. J'ai tellement donné aux gens. Pour moi, c'était comme ça. Je me rappelle toujours parce que c'était la première fois que je peux dire que j'étais fière de moi. J'apprenais à dire non à cette époque. J'apprenais à avoir un emploi de temps, je le respecte. J'apprenais à ne pas laisser les gens piétiner mon emploi de temps n'importe comment. Elle a parlé, je lui ai dit que j'étais prévenue. Quand je suis arrivée ici et qu'on a décidé qu'on devait travailler ensemble, je t'avais prévenu. Que cette affaire-ci, tu as derrière ta maison, on va dire comment? Tu as déjà une direction dans laquelle tu pars. Et je ne peux pas venir être ta mère. C'est une femme qui me dépassait au moins de 10 ans. I cannot be your mother. Parce que moi-même, ça me prend trop d'efforts déjà pour me discipliner moi-même. Ça me prend beaucoup d'efforts pour me discipliner moi-même. Si tu dois me discipliner, donc te porter pour mettre sur mon dos. Ça ne peut pas marcher. Je lui ai dit donc, ce qu'on va faire, c'est que je peux t'assister du mieux que je peux quand tu veux. Bon, quand tu veux et que je peux. Je donne les contacts si nécessaire. Mais je vais lancer ce que j'ai à faire seul. Le jour du lancement, elle était là. Quand je prêchais, il y avait une seule personne qui était là. C'était elle, le premier jour que j'ai lancé l'église. C'était en mars 2019. C'est elle qui était là, tenait même le téléphone pour quand je faisais le direct. On a fait peut-être 2 ou 3 semaines ensemble. Après, chacun a pris son chemin. Et quand elle racontait, peut-être elle te racontait son histoire. Elle va te dire, je suis parti de chez tel homme de Dieu. Ouais, il m'a exploité. Je suis parti de tel homme de Dieu. J'ai même plus d'onction que lui. Le Seigneur me montrait les choses. Je vais te dire que le leadership n'a rien à voir avec l'onction. Le leadership, c'est une question de focus. C'est une question de... it's about values. C'est ce qui vous dérange. Ouais, moi, je mérite plus que la femme là, mais on est parti lui donner. Non, ma chérie, she's focused. Elle est focus. Parfois, quand tu échoues quelque part, il faut t'asseoir. Tu regardes ce que l'autre qui on a donné a et que toi, tu n'as pas. Parce que vous aimez trop le victim mentality. Vous aimez la mentalité de victime. Je méritais, on a pris, on a donné. Je méritais, on a... Non, stop it. Arrêtez.
Je vais vous relire ce que Josué, ce que Dieu dit quand il appelle Josué. Et vous savez que Dieu est strict. Moïse n'est pas entré dans la terre promise, pourquoi? Dieu lui a donné encore un ordre. Il est arrivé, il a fait sa part. Dieu a dit, ok, comme tu n'as pas tenu l'autre là, tu vas voir de loin, mais tu ne vas pas entrer. Et il croyait que Dieu mentait. Bon, je suis sûr qu'il a cru à Dieu. Il a cru sûrement parce qu'il savait que avec le Père là. Certaines choses de la vie n'attendront pas ton sentiment. Ça ne t'attendra pas. Tu es qui? Who are you? Tu es la fille de Dieu. C'est ça que tu tournes toujours, tu tournes. Donc je vais vous lire ce que Dieu donne à Moïse, comme, à Josué comme instruction. Écoutez bien. Josué 1, verset 3 en descendant. Voyez que à toute instruction de possession, de domination, pour que tu domines un territoire, il y a des choses que tu dois faire. Arrêtez vos choses que, oh non, comme je suis venu ici là, et que comme Dieu a dit, ça veut dire que oui, je possède. On t'attend le lendemain, tu n'es pas là. You're not being faithful. Tu n'es pas fidèle. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Continue. Vous aurez pour territoire. Et là, il commence à donner ici, là-bas, là-bas. Je ne vais même pas lire ça. C'est les noms bizarres. Les Essing, les. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ça, c'est sucré. Oh, it is nice. God sera avec moi. Oh, God, my God is awesome. Ça te plaît. Écoute. 1. Fortifie-toi. 2. Prends courage. Ça veut dire qu'il y aura les moments où tu vas te baisser les bras. Il y aura les moments où tu seras douloureux. Il y aura les moments où tu seras en colère. Et les femmes, alors, c'est grave parce que nos émotions, là, ça, parfois, c'est, il y en a dans tous les sens. It's coming, like, it's all over the place. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Numéro 7, il dit encore, Josué 1, verset 7, fortifie-toi seulement. Aie bon courage, parce qu'il y aura le mauvais courage qui va venir. This is a lonely journey, man. This is a lonely journey. Et comment est-ce qu'il dit de prendre courage? En agissant fidèlement. Ton courage vient de tes actions. Pas l'affaire que dit, je suis courageux, ya, ha, ha, et oui. Il dit, aie bon courage en agissant. Ça veut dire que ton courage se montre par un acte. I keep showing up. I keep showing up every day. Je me pointe chaque jour. Day in, day out, I'm there. Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Voilà, c'est important. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Qu'est-ce que j'ai dit? Focus. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Voilà la clé du succès. Voilà la clé du succès. Tu vois un homme qui a envie de tromper sa femme, tu ne connais même pas. Tu trompes ta femme. Et que vous savez que pour tromper quelqu'un, ça demande l'énergie. Ça demande l'énergie. It's just, it's too much. I'm tired, man. Ouais. Oh non. Déjà, même que pour rentrer dans une relation, ça prend l'énergie, ça prend le temps. Combien de fois engager encore deux relations? Arrêtez de partir dans les invitations des gars parce que tu as espoir qu'ils te donnent 20 000 après. Il prend toute ta soirée. Il t'amène manger le poisson ou le porc.
Il te guette, il dit, je vais prendre ça aujourd'hui. Toi, tu es là, tu dis, je ne te donne pas aujourd'hui. Tu perds ton énergie. Parce que tu as tes intentions derrière la tête. Lui aussi, là, ça part derrière la tête. Parfois, les gens se disent que, waouh, moi, j'ai traversé les étapes. Hein. Il y a des étapes où quand un homme me draguait. Je vous assure, c'était automatique. Je vous dis, je suis moi honnête, open and transparent. Je m'en fous de ce que vous pensez. Quand il te regardait, est-ce que tu vas me donner le papier? Est-ce que tu vas. Bon, l'argent peut-être? Ouais. Oh, il y a une grosse voiture. Bon. Quand il va venir me déposer, mes voisins vont voir la voiture. Je vous assure. C'est fou parfois. Hein? C'est fou parfois ce que tu peux. Les choses que tu peux tolérer avec quelqu'un parce que. Les motifs du cœur des gens souvent. Parfois, me disait, ok, il a une belle voiture. Quand ils vont me déposer, mes voisins vont voir que moi aussi, je connais quelqu'un qui est Seigneur Jésus. Et on a traversé les choses. Ah là 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 là. Mais tu ne sais pas qu'il y a un échange d'énergie qui est fait. Que ton temps... À un moment, j'ai arrêté de sortir... J'ai arrêté de tout quand on dit qu'on sort le soir. Gna gna. I'm not there. Tu me vois où? Moi. Tu m'invites pas à aller manger le poisson. Chercher le poisson. Je commande le poisson à Chopeyamou. On vient me livrer à la maison. Et mange. En mangeant, je suis en train de travailler sur mon truc. Je suis sur ma page en train de travailler. Parce que la petite énergie que tu vas mettre là, parce que tu veux pas aller dépenser 10 000 francs pour faire telle chose. Tu vas prendre tes 50 euros, tes 100 euros. Tu vas dépenser l'énergie de 5 000 euros le soir là. Oui, tu vas dépenser l'énergie de 500 000. Parce que tu vas manger le poisson de 10 000, de 15 000. Bonsoir, Sam. Et vous devez arriver à un moment où vous croyez que votre énergie va payer. Et ça, c'est très difficile. Hein? It's very difficult. Tu dois arriver à un moment où tu es convaincu que si je garde assez mon énergie, it's gonna pay off. Ça va donner quelque chose. L'affaire de télé, hein, j'ai toujours vécu. Depuis 2013, j'ai pas la télé chez moi. Depuis 2013. Parce que j'avais décidé que si je veux regarder quelque chose, je pars moi-même, je choisis en ligne. Je clique dessus. Ou je pars sur Netflix, je clique. Mais l'affaire que tu mets là, tu ouvres la télé comme ça, là, toute la journée, ça passe. Juste, ça te montre ce que ça veut. Ça te bombarde les choses que ça veut. Je veux pas ça. I don't want it. Je veux que vous reliez le verset 7. Josué 1, verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Bonsoir, Francino, franchement. Et après, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour pour agir fidèlement. Voilà fidèlement. C'est-à-dire, quand vous voyez les chevaux sur un racetrack, on a horse track, sur un truc là, on appelle le horse track en français comment? Horse. Le chemin des chevaux là, là ils courent. Généralement ils mettent des blindfold, they kind of blind the side of the horses like this, so they can only look in front of them. Donc ils mettent des trucs sur les yeux des chevaux comme ça. C'est-à-dire quand le cheval court, il ne peut pas faire comme ça là. Il est comme ça. Parce qu'ils ont compris que la distraction peut causer ta chute. Et il dit que ça ne s'éloigne pas de ta bouche. Parfois, vous avez des conversations qui ne sont pas nécessaires pour vous. Et moi, quand je vous assure, quand quelqu'un me prend dans des conversations qui ne sont pas nécessaires pour moi, ça m'énerve. Je sens que mon agent est parti. Ça m'est arrivé hier. Oui. J'ai rencontré qu'il a...
La personne a commencé à bavarder, 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 bavarder. Ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Ah, on appelle ça les œillères. Merci, Laure. Je suis assise. Parce que moi, si vous me voyez quelque part, soit je suis en train de partir quelque part, soit je suis ici, ici assise. Je suis sur mon téléphone. J'étais là comme ça. Là. Ah oui, ce n'est pas toi la dame de TikTok là. Et fait. Mm-mm. Elle prend le téléphone. Ce n'est pas toi ici. Mm-mm. Elle rit. Non, c'est toi. Et quand je dis, je suis sur mon téléphone, genre, ma chérie, je suis en train de faire quelque chose. Takanan. Takanan. Est-ce qu'elle va comprendre? Oui, tu vois, je voulais te dire. Je suis là comme ça. Et ça va de quoi bavarder? Quand elle parlait, je sentais que chaque mot qui sortait de ma bouche, ça me prenait une petite puissance, ça m'énervait. À un moment, il voulait, si vous me voyez en route, je vous en prie, quand vous voulez, ne m'interpellez pas. Parce que mon numéro en ligne, tu voulais me contacter, tu allais me contacter. Donc, laisse-moi. Donc, voilà. Oui, tu vois, parce que je voulais te dire, tu vois, j'ai un problème là. Oui, ce que tu dis dans tes vidéos, c'est vrai. Maman, tu sais, les gens sont méchants, ils se disent, ouais. Elle parle, je suis là. Il y a parfois des conversations que vous n'avez pas besoin d'entrer dedans. Parfois, tu prends même le taxi. C'est pour ça que moi, j'aime les Yangola. Il n'est pas obligé de te parler. Il a conduit sa chose. L'autre va te dire, oui, quand j'étais en Dokoti, en 2005. Tu vois, je suis dans le taxi, je suis occupée. Si je ne suis même pas sur mon téléphone, ma tête est en train de réfléchir sur quelque chose. Don't distract me. Leave me alone. Français, on n'a qu'à dire que tu es compliqué. J'en ai rien à foutre. I don't care. C'est pour ça que je comprends beaucoup les gens égoïstes. Je comprends beaucoup les gens, quand je vois que je suis devenue comme ça, ça me plaît jusqu'à. Tu vois, avant les gens savent que, oh, j'ai la voix, oh, je peux venir sur elle. Ouais, accompagne-moi, non, je partais là-bas. Tu changes les directions, puis tu commences à suivre là-bas, tu suivre la personne. Et que. Tu m'attendais. Même quand je vais regarder mon film, il y a des moments où je reste comme ça, j'ai tellement bossé, ma tête chauffe. Soit je dors, soit je prends un film, je mets. Même mon film est connu. Ne viens pas dire que tu veux regarder mon film avec moi. Tu sais, il commence à faire des commentaires, poser mes questions. Ne me pose pas les questions. Oh. Vous ne pouvez pas savoir. Maintenant, il faut que je me pose. Que je commence à t'expliquer. Que tu ne comprennes pas. Après, tu dis que tu. Moi, j'aime rire seul. Je vous assure que je peux vivre seul. Je vis seul. J'ai seulement les gens qui viennent nettoyer la maison. Si tu ne peux pas l'enlever, tu déposes, tu pars. Ne me parle pas. Don't talk to me. Don't. I'm happy. I'm fine. Mm-hmm. Quand je vais rire seul. Après, je vais mettre ma musique, je vais danser seul. Après, partir me coucher, je vais dormir seul. Après, je vais me lever, mettre mon livre audio, je vais écouter. Après, je vais m'asseoir, je vais faire mes planifications. Après, oui, donc, non, I'm fine. Parfois, j'ai pensé les personnes que je prends dans les consultations. Non. J'ai consulté une fille hier. Je crois qu'après ça, j'ai dit que je ne veux plus faire les consultations normales. Les trucs que vous venez avec 30 000 là, ne me payez plus 30 000 pour que vous consultez. Allez acheter mes produits. Si vous voulez pas acheter les produits, vous laissez. Ne venez plus me parler à 30 000. Les gens qui veulent payer 30 000 pour parler là ont trop de bavardage à faire. Tu m'as appelé pour la consultation, non? Laisse-moi, je t'ai dit. C'est pas toi qui me dis.
Si tu m'as appelé, c'est parce que tu m'as tellement écouté que tu veux maintenant m'écouter par rapport à ta situation. C'est ça, non? Oh, tu sais, vraiment, ici, là, en Suisse, c'est comme ça, là. Oh, vraiment, tu sais, j'ai dit, ma chérie, on n'est pas copine. Tu me payes. You're giving me money. So, shut up. Shut the F up. Let me talk. Un jour, un homme m'a fait ça. Je le prends en consultation. Il a dit à mes secrétaires fatigués. Poser les questions aux gens avant de prendre l'argent. Voilà, arrêtez. Maman, il passe 25 minutes, il parle seul. J'ai dit, ah, j'attends, non, j'attends. Dès qu'elle veut placer un mot, oui, j'avais déjà fait ça. Après, fait ça avec telle personne. Oui, on voulait me finir au pays, hein, vraiment. Hey, ma belle famille, là, voulait. 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes. Vers la 28e minute, j'ai dit, monsieur, vous avez payé pourquoi? Vous avez payé pourquoi? Hein? Vous avez payé pourquoi? Pourquoi je vous parle, non? Je vous assure, à la fin de la consultation. Après, il m'écrit, il me dit que tu vas me consulter quand? J'ai dit que tu ne me connais pas. Je t'ai accordé 30 minutes de mon temps. Tu as pensé que tu étais très... Et quand tu l'écoutes parler, il t'amène dans toutes les directions. Oui, c'était ma belle-mère en 1994. Après, oui, non, quand je me suis mariée, la fille m'a exploité jusqu'à... Après, oui. Ah. Écoutez, hein, tout ce qui est dans votre vie que vous manifestez, c'est vous qui avez cherché. Et quand tu restes à côté, il suffit de parler avec quelqu'un 2 minutes et même 30 secondes pour voir là où la personne part. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Et parfois, deux personnes observent une situation, mais nous n'interprétons pas la situation de la même façon. Nous n'interprétons pas la situation de la même façon. L'autre personne va te dire, non, pourquoi tu as fait ça? Franchement, on ne fait pas. Et tu vois le truc sur lequel il est en train de parler, c'est un truc de 5 000. Je lui dis que tu sais pourquoi j'entre très rarement à la cuisine. Parce que un jour, je me suis rendu compte que parfois, je passais 3 heures, 4 heures par jour dans la cuisine. Je dis qu'en une heure, je peux produire 300 000 francs. Écoutez, hein, c'est ce qui vous rend pauvre. Aïe, aïe, aïe. C'est Mbeng qui m'a fait changer les idées. Vous savez, cuisiner en Europe, j'ai l'impression que quand on cuisine en Europe, ça passe plus vite que quand on cuisine au pays. Tu peux voir quelqu'un faire 4 heures de temps en Europe pour préparer le cookie. Quand même, non. Never. Il comprend que 4 heures, si on le paye 10 $, non, 10 euros de l'heure, 4 heures, ça fait 40 euros. Non. That's too much. J'avais une tante comme ça là en Mbeng qui m'a accueilli. La femme là, elle te fait n'importe quel repas en 25 minutes. Top chrono. C'est pour ça que j'ai appris à manger frais. C'est-à-dire, je vais faire frire les carottes pendant 5 minutes. Avec la tomate, même la tomate, tu manges encore même sucré. Oui. Ah donc, okay. Les crevettes, j'aime les crevettes fraîches. Tu me fais frire les crevettes. Les crevettes, tu mets un peu de poivre, un peu de tout. C'est déjà cuit. Tu montes pour faire quoi? Le couscous, ça j'ai rien, mon frère. Tu mets l'eau dedans, tu fermes, 5 minutes, c'est cuit. Oh là 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 là. Oh my God. Je me suis rendu compte un jour que je prends une ménagère. Même si je lui donne 10 000 la journée. Et que cette journée, elle vient, elle passe 4 heures. 4 à 8 heures de temps de travail chez moi. Il y a certains d'entre vous, vous vous levez comme ça. Quand il reste, il faut nettoyer les fenêtres, il faut nettoyer ceci. Je dis, ah, je vais passer 3 heures de temps seulement pour être content que ma maison est propre. 3 heures de temps. Et le pire, c'est qu'après les 3 heures de temps, là, je suis fatiguée. Non, moi, il n'aime pas. Pardon, excusez-moi. Excusez ma vie. Pardon. Si ton gars t'aime parce que tu nettoies la maison, mamie, qui va chercher la bonne?
Aïe, aïe, aïe. Même le chauffeur. Avant de prendre le chauffeur, moi, hey, pardon. Je me rendais compte que quand je conduis, j'arrive à la maison à Douala. Je suis stressée. Parce que les motos taximans sont passées, c'est là, pim, 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 pim. Tu conduis, tu freines, tu veux passer, tu pousses, tu arrives au parcours vite, il faut que tu forces pour passer. Et qui est? Nawati. Non, non, non. Dès que tu gares la voiture comme ça, là, tu fais. Il te faut encore 1 heure pour te remettre les esprits en. Non, non, excusez-moi. Et qui est? Quand tu prends le chauffeur au Cameroun, tu divises son salaire, tu vois qu'il ne te revient même pas à 5 000 francs la journée. Et je dis toujours aux gens, tout dans le monde entier, c'est l'énergie. Le matin, tu as l'énergie qui peut te donner même 100 millions de francs CFA cette journée-là. Mais tu éparpilles ton énergie dans la journée. Tu éparpilles. Tu pars d'abord le matin sur TikTok, tu regardes 50 vidéos. Ça te donne 50 émotions le matin. Tu ne regardes rien qui t'inspire. Ça te distrait. C'est amusant. Tu as fini de rire après quoi? Tu as fini de rire, non? Après quoi? Je dis souvent que tu as fini de rire, tu as encore tes mêmes factures, non? Les mêmes factures sont là, non? Et moi, ce que je dis là, mes enfants connaissent. Mes enfants connaissent. Je vous dis, si vous voulez, vous faites, si vous voulez, vous ne faites pas. Je vous dis toujours que vous allez venir me visiter. Parce que quand vous serez grand, à un certain moment de votre vie, ce sont vos capacités qui vont payer votre vie, mode de vie, votre lifestyle. Donc, si j'étais donné tous mes enseignements, j'ai donné tous mes conseils, tu as vu que c'est ta part que tu connais, qui est mieux. Ne te dérange pas. Tu vas venir dans une de mes résidences. Si je suis même là-bas, la période là, peut-être mon jet privé va te prendre pour t'amener chez moi à New York. Après, tu retournes dans ton mode de vie que tu as préféré. Parce que j'ai compris que la fête, si c'est un choix personnel. Et même dans les gens qui sont dans les relations, tu es marié, tu vas te rendre compte que il y a des choses que tu veux faire, mais c'est peut-être dans tes désirs, mais ce n'est pas dans les désirs de ton gars. Écoutez, c'est très délicat ce que je vous dis. Tu veux, mais l'homme avec qui tu es. Non, ok. Tu ne peux pas la cuisine préparer, pourquoi? Non, chérie, tu dois préparer. Pendant que tu as la cuisine de préparer, tu vois la télé. Tu dis, mais chérie, les 3 heures que je passe le soir à la cuisine. C'est pour ça que je comprends les Européens. Souvent, rentrer, ça achète un takeaway. Il achète un truc à emporter. Ok, j'ai travaillé dans la journée 70 euros. Je prends 10 euros, j'achète la nourriture, je mange. Je rentre et me repose. C'est vrai que moi, je pense que 70 euros, c'est petit pour une journée. Tu dois travailler même 400 euros par jour. Parce que plus tu gagnes de l'argent, plus ton énergie, plus tu as les options. Plus tu as les options. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Si je peux acheter mon temps, si je peux me lever le matin, je dis, je prends une ménagère, je prends une cuisinière, et j'économise 5 heures que j'aurais pu aller au marché. Est-ce que vous savez comment aller au marché prendre le temps? Même le supermarché, je n'aime pas le supermarché. Ah, ma mamie, si vous vivez avec moi. Même aller au supermarché, pour moi, c'est fatigant. Like, pourquoi je vais m'asseoir pour réfléchir sur la liste des choses? Like, tu prends, tu fais comme ça là. On a quoi à la maison qui nous manque? Il faut le papier toilette. Il y a encore quoi qui manque? Il faut. Tu écris. Tu finis de faire la liste. Je lève vos pensées. Je ne suis pas la paresse. I'm leveling you up. Tu finis de faire la liste d'abord ça. Écoutez, l'argent sort de tes pensées et de ton énergie. C'est là-bas qu'il y a l'argent, ici. Tu finis de faire la liste. Si tu dois aller au marché de Bounamou, ça dit alors bagarre avec les gens pour économiser 3 000. Oh, colo. Oh, oh. Vous savez l'énergie qu'il y a dans les marchés?
Tomate, 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 tomate. Oh, 500, 500, 500, 500. Quelqu'un vient, il passe avec la brouette, il te pousse, il te piétine. Ça t'énerve. Tu portes le sac, ça pèse dans ta main. J'ai fait tout ça, hein, j'ai fait. L'année passée encore, je partais au marché. Janvier, février, je partais au marché. Tu achètes un truc ici, là. Deux. Après, tu dois encore traverser tout le marché pour aller de l'autre côté acheter encore l'autre. Non, non, tu you know what? Non, non. Je me suis assise un jour, j'ai dit que non, je mérite mieux que ça. J'avais, voici la voici ce qui m'a fait commencer. Hein. Moi, j'avais deux ménagères. Regardez comment j'ai commencé. Je me suis dit un jour, si je paye chaque ménagère, supposons que je commence à 30 000, j'avais commencé à 30 000 le mois. Si je paye 30 000, même si c'est pour qu'elle s'occupe de moi. Un jour, je suis allée à Bonacoso chez une dame. Noël 2019. La femme avait un bébé qui était en âge de peut-être 6 mois. Et elle nous avait invités pour le Christmas dinner. Et à l'époque, j'avais encore les pensées africaines là. J'arrive, elle était mariée en blanc. Je me dis, mais c'est quel genre de femme de foyer ça? What is this kind of woman? On arrive. Son bébé pleure, nia, nia, elle n'allaitait pas. L'enfant pleure, il y a une femme là-bas à l'étage qui est en train de s'occuper de l'enfant. Il y a une autre femme qui est en train de s'occuper des autres enfants. Il y a deux femmes qui sont en train de préparer pour venir servir. On finit de manger. Elle dit, mangez, mangez, pour manger, allez manger, manger. Je me rappelle encore jusqu'aujourd'hui. Mangez, mangez. On finit de manger. La femme qui nous a, qui nous, like the hostess, notre hôte, elle est assise à table, elle prend sa cigarette. On est au bord de la piscine. Bon, venez à Douala, vous allez voir les gens, la belle vie. Oui, chérie, oui, on ne te dérange pas, chérie, laisse les plats, ils vont débarrasser. Je faisais un peu ma petite villageoise là. Je faisais comme si j'avais les porter un peu les plats pour. Ouais, comme on nous a appris que non, quand tu débarrasses, ça veut dire que m'a quitté avec ça. Elle s'assoit, on débarrasse tout. On monte avec, on vient, on démonte la table. Après, il dit, bon, on va dans la piscine. Elle appelle ses filles, allez chérie, allez mettre vos maillots de bain. Je regarde comme ça là. Je suis restée 6 mois après, je pensais à la vie de la femme là. Je dis, mais attends un peu. Elle a l'enfant qui a 6 mois, mais tu ne peux même pas savoir qu'elle a l'enfant. Elle ne stresse pas. Pas un peu chez notre maman là. Changez la couche de l'enfant là. Oh, la mamie est au feu. Oh, mets-moi les assiettes sur la table. Le mari est assis avec ses amis, il boit. Ouais. Ouais, vraiment, je vois. Quoi? Quoi? C'est ça que chacun qui cherche sa souffrance. Hein. Je vous dis, moi, Roha, chacun cherche sa souffrance. Et si tu es l'autre personne, l'autre femme qui a plusieurs employés, personne ne va te juger. En tout cas, hein, même si tu te juges, ce n'est pas le jugement divin. Ce n'est pas Dieu qui va mettre la foudre sur toi. J'ai commencé donc à penser un jour. Et parfois, tu passes le genre de femme là, tu dis que son mari ne va pas l'aimer. Hein? Tu vas voir, son mari ne va pas l'aimer. Tu as menti. Tu as menti. Tu fais tout ça, tu laves, ton mari t'aime plus. Hein? Fin de journée, tu sens la sueur, tu sens la nourriture, tu es fatigué. Level up. Vos pensées là doivent monter, ça doit changer. Quand elle parle comme ça, je sais qu'elle parle la vérité. Hein. Je suis là pour vous dire, je suis votre libératrice. Je suis là pour vous libérer de l'esclavage. Bé, j'aime quand c'est toi qui prépares ma nourriture. Moi, je ne veux pas que les ménagères préparent ma nourriture. Bé. On m'a déjà fait ça beaucoup de fois. Hein. On m'a déjà fait ça beaucoup de fois. Je suis restée donc l'année passée. Après avoir stressé pour faire tout ça là, je suis resté comme ça, j'ai dit que non. Si je prends une ménagère, 30 000. 30 000, je divise par 30. Ça veut dire que chaque jour, je dois faire quelque chose qui va me donner plus de 1000 francs. Si je besoin, je multiplie par 10. Si cette femme va me libérer, elle va m'alléger de 5 heures de temps. Vous riez. Si elle va m'alléger de 5 heures de temps. En 5 heures, je dois produire 10 fois son salaire.
Ne regardez pas ma part, je ne fais pas le même jeûne que vous. Vous avez suivi. Donc ceux qui font leur jeûne sec, continuez votre jeûne sec. Ceux qui font le jeûne normal, faites le jeûne normal. Le jeûne normal, c'est de 6h à 18h. Vous savez, je fais souvent le direct sur Sainte Marie du Chungam. Donc ma part n'est pas comme pour vous. Je vous en prie. Otef, si tu as soif, c'est différent. Si tu as décidé de faire le jeûne de 3 jours, assure-toi que tu n'as pas de condition de santé bizarre. Tenez compte de votre condition de santé. Voilà, je reviens du boulot. Mon homme a déjà mis le poulet au four. Qu'est-ce que c'est agréable, franchement. Donc je me suis dit, ok, si je prends cette personne, si je vais avoir un jardinier à la maison, si je vais avoir un blanchisseur à la maison, je m'assure que le blanchisseur va, s'il m'allège des habits que je devais laver 2 fois par semaine, les habits qu'il va laver là, si je le paye 5 000, je dois m'assurer que dans le temps qu'il va m'économiser là, je vais produire 5 000 fois 10. C'est pour ça que j'ai commencé à capitaliser mon temps et mon énergie. Parce qu'à un moment, je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses que ce n'est pas fait pour moi. Like. Et j'ai accepté la réalité des choses. Le fait qu'on dit que oh, c'est ta belle-mère va venir, c'est toi qui dois préparer pour elle. Takanang, laissez-moi. Je commande le tarot. Oui, Victorine va préparer le tarot, elle va faire le tarot, elle va me donner des poses à table. Oui. L'argent achète beaucoup de choses, hein. Maintenant, votre mentalité d'avant, vu que, oh non, je vais faire comme ça parce qu'il veut économiser 3 000. Je vais économiser 2 000. Et quand tu as commencé à valoriser ton énergie, ça se fait en avance. C'est-à-dire, tu ne vas pas attendre d'avoir les 30 000 pour payer la ménagère. Même quand j'ai arrêté de travailler pour les gens, je me suis dit, si je pars donner mon énergie à cette personne pour qu'il me donne 1 000 pounds, la dernière fois, je travaillais pour quelqu'un, je travaillais en Angleterre. 1 000 pounds. Ok, si elle divise, ça veut dire que chaque jour, ça fait 250 pounds la semaine, 5 days a week, ça fait 50 pounds per day. Ok, si je dis que je ne veux plus travailler pour quelqu'un, je vais m'asseoir de 8h à 17h ou de 8h à 20h s'il le faut ou 22h s'il le faut, mais je dois produire minimum 50 pounds. Et si je peux multiplier... Si je peux multiplier par 2, par 3, voilà comment l'esprit d'entrepreneuriat vient dans ton esprit. Ce qui fait que quand le matin, je te réveille. En 2016, j'avais pris le bureau en Angleterre. Je sortais le matin, je pars et m'assois au bureau. Au début, c'était très difficile parce que je m'étais rendu compte que je m'étais habitué à travailler sous la pression des autres personnes. Tu vois, quand tu es au bureau, non. Dès que personne ne te regarde, tu prends un peu le téléphone, tu TikTok un peu, 5 minutes. Where? With who? You've been where? Après, je m'en coupe. I could have my Gucci on. I could have my Louis Vuitton. Je me suis rendu compte que je ne travaillais que sous la pression des gens. Et après, je me suis dit, je dois canaliser mon énergie pour dire que je vais me lever faire ça. Personne ne me regarde. Personne ne me check. Et je le fais. C'est ça qu'on parle de leadership. Ton leadership commence d'abord par toi-même. It starts by yourself. Et au début, personne ne te rémunère. Tu fais sans que personne ne te paye. J'ai fait ça au moins 3 ans avant que ça commence à payer. 3 ans. Donc vous devez développer cette habitude. Je me rappelle en 2016, j'arrive au bureau. 8h, je commence après 8h30. Je suis fatigué. 8h30, 30 minutes de travail.
Je prends un peu le téléphone. Je passe sur YouTube. Je regarde. Après, je dors. Après, je me réveille. Seul, juste dans le bureau, je n'ai personne. Après ça, je me suis dit, ok, je dois commencer avec des objectifs dans la journée. Quand je commençais avec des objectifs financiers, ça faisait que quand je me levais et que je parlais beaucoup aux gens, au début, je donnais beaucoup de conseils aux gens. Quand je donnais des conseils, je ne me perdais pas à trop bavarder pour les gens. Après, je commençais à dire que je dois avoir des produits et services. J'ai commencé à façonner des produits. Je passais des nuits à créer des programmes. Et le matin, deux, trois jours d'enregistrement, ça, je mets à la disposition des gens. De là, encore, je suis passé à quoi? J'ai eu plusieurs phases dans le développement de mon business. Donc, ça commence d'abord par le fait que je te dise que je valorise mon temps et mon énergie. Je valorise mon temps et mon énergie. Mon énergie vaut plus que ce que ce patron m'offre. Mon énergie vaut plus que ce que je donne à la ménagère, ou au cuisinier, ou au coursier. Et là, tu peux facilement, c'est pour ça que tu peux facilement dépenser certaines sommes d'argent. Parce que tu sais que je dépense cette somme. Peut-être que tu as travaillé toute la journée. Tu t'es fait 300 000 dans la journée. C'est facile pour toi de sortir 10 000 le soir, tu manges. Parce que tu sais que j'ai fait 6 heures, 8 heures de boulot. J'ai voyagé, je suis allé à Yaoundé, j'ai porté la marchandise, je suis venu se déposer. Bénéfice 300 000. Je peux sortir 10 000 le soir, je mange. Parce qu'il ne veut pas encore rentrer à la maison, aller courir encore pour dire qu'il veut rentrer à la cuisine pour préparer. Je ne peux pas. Le lendemain, pareil. Et quand tu commences à te faire 300 000 la journée ou tous les deux jours, tu peux facilement prendre 5 000, tu donnes un chauffeur. Conduis-moi. Le temps qu'on peut, de Douala à Yaoundé, je dors. Quand on arrive, super, je parle au rendez-vous, j'ai l'énergie pour parler au client. C'est comme ça qu'on pense. Par le fait que tu dis que tu vas aller à la générale te bousculer avec les gens. Tu payes 3 500 ou 4 000 pour voyager. On t'a serré, l'enfant a pleuré. Il y avait un enfant devant toi dans le bus qui pleurait. Les gens sont venus vendre les trucs, les médicaments dans le bus. Mes chers amis, vous savez, ce produit, il est très bon parce que ça fait telle chose. Oui, ce produit va vous aider contre l'infertilité. Vous prenez, vous versez dans une boîte, vous tournez. Après, vous secouez. Quand tu arrives à Yaoundé, tu as mal à la tête. Tu arrives à Yaoundé, au lieu de partir payer 15 000 à l'hôtel pour dormir, tu peux acheter ta tente, dormir à Biémassi. Voilà comment vous réfléchissez avant. Hein. Tu arrives à Biémassi. Ta tante t'attendait. Hé, hey, ma fille! Hé, hey, commentaire jusqu'à 22h30. Et tu es chez les gens, tu ne peux pas dire que tu peux dormir à 20h. C'est pas poli. Tu te lèves le matin, tu ne peux pas quand même te lever, tu sors à 6h. Il faut que par courtoisie, tu restes avec, tu balais le sol, tu fais, ouais, yo! Tu as dépensé l'énergie de 30 ou 40 000, alors que tu aurais pu aller donner 10 000 à l'hôtel, tu dors. C'est un système de pensée qui vont ensemble. Je ne sais pas si vous suivez. Et quand tu commences, ne cherche pas à faire comme tout le monde. Parce que ce que je vous dis, c'est comme ça que 3% pensent. 3%. En Afrique, alors je dirais même 1%. Parce que tout le monde en Afrique pense autrement. Tout le monde en Afrique pense autrement. Tu peux arriver dans la ville où ta tante, tu passes là-bas même 5 fois par mois, elle ne sait pas que tu es venu. Tu viens faire tes affaires. Et si les affaires là sont les affaires viables, tu vas voir que tu ne vas pas passer encore du temps. Ça va te donner, les affaires là vont te donner l'argent, ça va produire l'argent de ça. Et quand tu commences à investir sur ce que tu fais, tu vas voir que tu vas, même avec tes clients, tu seras rigoureux. Au lieu de voyager pour aller faire un business qui va te... Supposons que tu es intermédiaire dans une transaction. Et la transaction donne un bénéfice de 2 millions de francs CFA. Dans tes trucs carburants, monter, descendre, tu dépenses dans les 200 000. Est-ce que tu crois que tu vas leur faire une facture de 250 000? Jamais.
Jamais. Tu as demandé même 1 million. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous faites certains trucs. Vous ne valorisez pas. Tu fais, tu laisses ton argent là-bas. Tu fais, après, ah, ils m'ont exploité, ils ne t'ont pas exploité. Tu étais bête. Parfois, tu pensais même que tu étais très intelligent, mais tu étais bête. C'est pour ça que tu fais un business avec quelqu'un, il porte tout l'argent, il part avec. Parce que la personne comprend qu'il a les dommages collatéraux. Il sait que je dois payer le loyer, je dois payer les employés, je dois payer ceci. Toi, tu ne veux rien investir. Tu ne demandes pas l'argent parce que tu n'as pas de facture. Quand tu vois quelqu'un qui est business minded, il ne réfléchit pas comme les autres. Il arrive quelque part, vous perdez un peu de temps, il dit, allez, quick, quick, quick. C'est pour ça qu'en Angleterre, moi je suis arrivé en Côte d'Ivoire, le roi Jocelyn qui est en Côte d'Ivoire me dit que même quand tu arrives là-bas à la police, il y a le service VIP. Donc c'est officiel, hein, c'est officiel. La police connaît que si tu viens, tu es pressé. Paye en plus, tu passes directement, tu entres dans le bureau du commissaire, tu fais ce que tu as fait. Je dis, mais attends, c'était créer des fast lanes, créer des choses comme ça. Parfois, tu arrives et tu t'assois au Cameroun. Tu t'assois 3 heures de temps dans un bureau pour faire un papier. Parce qu'il n'y a que toi qui peux signer ce papier. Les trucs de banque là, moi j'ai donné beaucoup de dérogations. On appelle ça comment? Procuration. Il y a des procédures que je n'ai pas pu faire. Non, 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 non. You will not see me there. Forget about it. Seulement le trajet pour quitter ma tête pour Bonanjo. 45 minutes. Tu arrives sur place, tu fais encore 2 heures de temps. À rentrer, il y a les embouteillages de 15 heures. Il te faut encore 2 heures de temps pour rentrer. Vous ne valorisez pas votre temps. Et vous n'êtes pas focalisé. Vous allez voir que quand vous allez commencer à faire ceci, 2023, c'est... Oh, I can't wait. J'ai hâte. Parce que même moi-même, là, je sais que mes choses... Je sens comment je suis en train de changer. Je sais. Je sais que je suis en train de changer. Je sais. Et ta vie change quand tu changes. Ce ne sont pas les circonstances qui viennent te changer. C'est toi qui changes et tu changes les circonstances. Donc, ça vient de toi. Il y a des choses que tu as acceptées depuis longtemps. Quand tu vas commencer à dire non, non, tu vas voir que ton énergie va commencer à être canalisée. Tu vas commencer à augmenter. Tu vendais les produits de 5 000 avant. Quand tu vas acheter de 5 000, tu as le bénéfice de combien? 1 500, c'est petit. Tu vas commencer à acheter. Un jour, j'ai regardé le profil du père des enfants d'une cliente là. Avec du mari d'une cliente. Et à l'époque, je voyais les produits qu'il vendait. Il te vend les trucs de 12 millions, 18 millions, 20, 30 millions. Je regardais, vous avez dit, waouh. Ça, c'est like. This is good. Si à une semaine, il fait une transaction, il a au moins le bénéfice de 8 millions dedans. Toi, tu fais 50 transactions par semaine. Tu ne rentres pas à la maison avec 50 000. Hein? Je vais te taper. Viens, il tape ta tête sur la tête, je te gifle. Va te vendre des petits trucs. Moi, je vois ce que quelqu'un vend. Je demande que tu vends à combien? Il me dit 7 000. 2 500. Hein? Jesus. Jesus. 2 500. Il te faut combien de ventes pour que ça te donne quelque chose? Arrêtez aussi, non. Pour que je vende un truc de 2 500, je dois m'assurer que chaque seconde, j'ai un client qui achète. Non, I cannot do it. Ah, what are you talking about? C'est que toutes les minutes, tu as au moins 3 clients, 5, 10 clients. Donc, en une heure comme ça, là, que j'ai pointé, même 100 000, oui. Et quand tu dis que tu veux élever tes finances, c'est pour ça que je vous ai dit que l'atelier que je vais faire, la conférence que je vais faire avec vous samedi après-demain, là, déjà que je ne veux même pas tout le monde, donc ne vous inquiétez pas, ce sera sur Zoom. Je veux m'asseoir avec vous et je veux que vous visualisez votre année 2023. Donc je veux travailler avec des femmes et des hommes qui seront concentrés pendant cette conférence.
Ne venez pas vous tomber. Une femme, elle fait le message aujourd'hui. Je suis tombée sur les messages. La plupart du temps, c'est même pas moi qui check les messages. J'ai le flyer qui est sorti. Je lui envoie le flyer. Elle m'appelle, je ne décroche pas. Vous m'appelez, moi, je ne décroche pas. Elle m'appelle. Elle me dit, explique-moi, ça veut dire quoi? Je dis, ma chérie, va sur la page. J'ai fait un direct hier, avant-hier. J'ai parlé de ça. Si je ne peux pas prendre tes 30 minutes, je regarde. Laisse. Tu as compris? Laisse. Pardon. Laisse ton ami, laisse. Tu vas arriver le soir, là, quand on va s'asseoir, chacun sera prêt avec son agenda, avec son papier pour planifier ça, son truc. Tu vas venir, tu vas dire, where? With who? Doing what? Non, I don't want that. Et votre niveau de conscience s'élève en fonction de ce que vous permettez. Donc c'est important. Bon, pour le reste, vous viendrez à la conférence. La conférence est 15 000 francs. J'aurais même dû mettre 50 000, mais bon, 15 000 francs. Ce sera demain, samedi, à 20h. De 20h à minuit 30. Pointez-vous en ayant un bon environnement. Si vous avez des bruits autour de vous, ne venez pas. On ne veut pas les bruits que vous venez, vous arrivez. No, I don't want it. Ce sera sur Zoom. Bon, j'ai des gens aux États-Unis qui ont déjà payé. Et si vous venez, vous ne connaissez pas ce que c'est, ne payez pas, ne venez pas. Vous avez suivi, non? Parce que même l'énergie de l'environnement, là, ça compte. Je ne veux pas les mauvaises énergies. Bon, passez une bonne soirée. Les kits, vous achetez, j'ai bien précisé que vous pouvez acheter les kits sans me contacter. Vous n'avez pas besoin de me contacter pour acheter vos kits. Bon, voilà. Vous connaissez le kit fondation, c'est pour briser les malédictions générationnelles. Peu importe là où tu es, tu commandes, tu payes, tu fais ton transfert Orange Money. On te poste, tu n'as pas besoin de... Et pour la consultation, ne vous précipitez pas pour payer la consultation. Écoute-moi longuement. Quand tu t'assures, tu dis que je vais prendre la consultation. Au Cameroun, la consultation, c'est 65 000. 65 000. Partout ailleurs, c'est 70 000. Vous me suivez? Et en payant, parce que il y a des gens qui arrivent toi à payer, vous traversez tout ça là. Pour payer, il faut t'assurer que tu laves avec le sel et que tu me suis déjà depuis au moins 3 semaines. C'est qu'on peut pas se parler, on peut pas se parler, on peut pas, ça peut pas se passer. Vous avez suivi, non? Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée ou bonne soirée. Bye bye.